Eh bien, salut tout le monde, je me présente Nicolas Et et Thomas. Thomas. Et donc, on va présenter notre chaîne qui s'appelle Exodus. Donc, c'est une team Airsoft, voilà, entre guillemets. Ouais, tout simplement. Donc, je te laisse te présenter vite fait. Bah voilà, la team Exodus est plus ou moins basée sur Liège. Nous ferons des vidéos sur des parties et des OP qu'on ira faire dans la région de Liégeoise et certainement Charleroi. On recrute. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir sur notre page Facebook et présenter un message. Team Exodus, tout Tous simplement. les liens seront dans la description, bien sûr. Voilà, exactement. On fera des vidéos de gameplay, de review, de zap aussi sur des vidéos drôles qu'on peut se faire dans l'airsoft. On fera également des montages de nos répliques ainsi que Des tests de tir. des tests de tir, voilà. Et sûrement des présentations de répliques envoyées par des magasins de ça, si Si on nous le évidemment on a des permet, répliques parce envoyées. que on en a beaucoup sur YouTube, mais franchement, ce serait sympa. Donc voilà, je vais me présenter. Alors moi, je m'appelle Thomas, comme on l'a dit. Comme réplique, j'utilise une CM515 avec un silencieux, une red dot et une poignée qui fait également bipied. Et ta petite lampe sur le côté. La petite lampe Porsche un peu modifiée comme ça. Assez utile. Un peu de travail vite fait. Un chargeur de 300 coups. Et également un casque avec une caméra. Genre de GoPro, quoi. Une Medium Action Cam, des lunettes grillagées et un grillage comme je porte ici. Vas-y, à toi. Ah bah moi, donc c'est Nicolas. Alors, moi comme réplique, j'utilise le Big Bird Dragon de chez WE. Donc c'est à gaz avec chargeur de 24 billes. Il est assez bien. Il est blowback aussi. Enfin, comme plus ou moins toutes les répliques à gaz. Facilement démontable. Et j'utilise aussi une CM516. Une Sima comme la sienne, sauf que moi j'ai juste modifié le viseur parce que l'ancien il était ici, mais j'aime pas, c'est trop petit. Donc voilà. Et moi je suis pas trop red hot, donc je l'ai laissé au naturel. Voilà, comme ça, à part juste le viseur, c'est tout. Donc voilà, c'est tout pour la réplique. Donc, ah oui, un chargeur high cap aussi de 300 billes, donc un molette aussi comme lui. Un porte-chargeur vite fait, enfin une base tactique plus ou moins. Bon, elle sert pas grand chose parce que j'ai que le chargeur, mais c'est assez utile. Tu peux mettre ta réplique derrière, tu peux mettre, je sais pas, ta petite réplique de poing ici, ça passe dedans. Bon, après, il met pas une MP7 dedans, ça tient pas. Bah voilà, c'est Sinon, il y a moi. également le prix de nos répliques. On a principalement acheté tout sur Taiwan Gun. Très bon site, je vous le conseille. C'est du cheap, mais C'est du bon, quand même du cheap de bonne ouais, qualité. de très bonne qualité. Perso, la mienne, je l'ai payé 80 € un truc du genre, avec également la red dot 20 €, le silencieux 10 € et la poignée avant 10 € également. Bah, donc la mienne, bah, je suis plus ou moins payé du même prix. En tout, avec tous les accessoires que j'ai eu, j'en ai eu pour 152 €, mais j'avais pris donc des billes en plus. Voilà. Donc le viseur, comme je vous ai dit. J'ai aussi deux poignées que j'utilise très peu. J'avais pris des rails, mais comme par hasard, les rails ne sont pas compatibles avec la réplique. Donc la réplique en elle-même, elle est revenue à 99 €. Ouais. 99. Ah, 90 en oui. belge. Et le Big Bird aussi, 108 €. Et le gaz, c'est du Protect Gun, donc du Green Gas, qui revient à 8 € le litre sur Taiwan Gun. Et ça dépend des magasins, des sites et tout ça, mais en général, c'est le même prix, c'est pas cher. Voilà. Ouais, voilà. Donc voilà pour la vidéo. Je crois qu'on en a fait plus ou moins le tour de tout ce qu'on avait à dire. Ouais. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner. Merci beaucoup.